zombie apocalypse. Peggy 18. So, you never told me how a famous man of words became such a passionate resistance fighter. It was June 24th, 1940. It's a day I'll never forget. The second it takes off, you're inside. It's a cage, you see. You know, your eyeballs freeze up at that altitude, at 20,000 feet. The electrics keep you alive, the wires, the cables. And then the flak comes in, thick and heavy. Get out. Not when it dives at 300 knots. There's a beast deep inside you. It will not die. It will fight back. Peggy 18. On aurait dit une représentation de l'enfer de Dante. Ce sont des monstres. Pas des monstres. Des hommes. Elle doit plus savoir ce que c'est de se battre. Elle fait tout ce que ce putain de Führer lui dit de faire. Il faut changer tout ça, Grace. Redonner l'envie de se battre au peuple américain. Allumer le feu de la révolution. Tu veux terroriser les nazis? Tu veux foutre un joli petit bordel? Alors tu t'adresses à la bonne personne. S'il te reste encore un peu de jus pour buter du nazillon, j'ai un plan qui va mettre un coup de fouet à toute la nation.
Alors c'est parti pour le spectacle. C'est un déluge de balles qui s'amoncelle. Alléluia! J'ai une tête nucléaire dans cet extincteur. Oui, carrément! Ça a l'air parfait! Vous devriez nous rejoindre, on a toujours besoin de gens comme vous. Pardon, vous aviez besoin du bateau? Ouais, tête de gland. Eux qui ont apporté la guerre sur nos terres. Les gens doivent réaliser qu'ils n'ont pas à subir ça. Mes frères et mes sœurs des États-Unis d'Amérique, ce soir, nous, les hommes libres de la résistance, nous vous demandons de nous rejoindre. Destroy the 88s! I don't have
go skrrr. And a poop poop doo boom. Skia. Boom boom. You done now. Big Shaq.